pas tellement les yeux en face des trous. Ça pique un peu. Il est 7h30 passé maintenant. On est levé depuis presque une heure. Et si je me lève aussitôt en ce dimanche, alors que j'aurais pu être tranquillement sous la couette pour faire une grasse matinée, c'est qu'il y a la 15e traversée de Paris. Et c'est en compagnie de ma fidèle monture, ma GS Break Club de 1978, qu'on va y participer. Alors, bon, j'ai pas eu le temps de la sticker, j'ai pas eu le temps de passer la peau de chamois. Ah, ça y est, on arrive, on n'est pas très loin. Il y a déjà un bel embouteillage. C'est la première fois que je vois ça. Ah. En fait. Le dash. Regarde un petit coin. Dorian. Le sien il roule, pas comme le mien. Bon, c'est un peu ça le problème de Vincennes en ancienne, c'est le départ, c'est les bouchons. Alors lui avec sa Camaro à l'arrêt, il doit consommer quand même pas mal. Une belle Volvo, c'est vraiment un véritable musée roulant. Hein. On voit de tout. La traversée de Paris, mais on passe par un endroit tristement célèbre maintenant. La plaque, c'est les gens qui sortent leur appareil photo, qui regardent. Place de la Bastille, ça arrive de partout. Voilà, ça donne un peu le sourire aux gens quand même. On a bien besoin. Bon, je sais pas s'il y a un revival des R12, mais c'est la deuxième que je vois. Les tracteurs aussi. Ils ont tout ce qui roule. Ouais, ça commence à devenir du grand n'importe quoi. Tout le monde se gare un peu n'importe où. C'est ça aussi, hein. Faire un peu ce qu'on veut aujourd'hui. Se gare. Thank you.
cette 15e traversée de Paris s'achève. Alors que retenir? Déjà, une participation importante. Et puis, la voiture ancienne attire la sympathie. Voilà, quand vous roulez, que vous soyez dans une Rolls ou une voiture nettement plus populaire, on vous aborde aussi facilement. Il n'y a plus vraiment de distinction sociale. Vous êtes au même niveau, on va dire. Et puis, ça attire la sympathie, hein, ça c'est indéniable. Voilà, les pouces se lèvent à votre passage. On a beau dire que la voiture... Salut. Bonjour. Elle est belle ta GS. Je me demande si t'as pas une suspente d'échappement un peu faible. Ah, à l'arrière, les sphères. Non, l'échappement, pour votre confidentieux, il... Ah, il bouge. Il bouge. Ouais, ouais, non, mais il faut que je change, il est percé, là. D'accord. Bon. Voilà qui illustre mon propos. Quand vous êtes en voiture ancienne, on vous aborde assez facilement, évidemment, les propriétaires de voitures de collection, mais aussi les passants, les badauds, les autres automobilistes aussi. Les pouces se lèvent, il y a des sourires même. Hein. Alors, on dit que la France est un pays autophobe, que les Français seraient autophobes. Et bien, franchement, en voiture ancienne, on ne ressent pas du tout ce phénomène.